Mais en fait, Wafa, t'es passé sur le bêtisier. C'est que je t'ai pas loupé là, pour le coup. Je sais pas si vous regardez la série Narcos. Moi, je regarde beaucoup et j'ai pas envie de spoiler, mais je savais pas que dans le dernier épisode de la saison 2, il allait se faire buter comme ça aussi vite. Donc du coup, je suis dégoûtée parce qu'aujourd'hui, sort tout juste la saison 3 et j'ai plus envie de regarder. Même si il faut, parce que du coup, c'est adversaires qui vont reprendre comment ça s'appelle, le cartel. Moi en ce moment je suis en train de regarder une nouvelle série qui s'appelle El Chapo. C'est en lien avec le film Narcos, c'est l'histoire de son associé justement, comment confier Pablo Escobar. Sa tête là, ah là là. Bon bah, ce soir je regarderai pas des séries apparemment. Il paraît que Thomas a parlé de moi sur le même mec. Bon, moi j'ai pas regardé, je regarderai pas. Maintenant faut qu'il arrête quoi, qu'il passe à autre chose. Apparemment je suis la moins intéressante de ses conquêtes. Oui, parce qu'il parle de conquêtes, il en a tellement eu. Donc ça a défilé, ça a défilé. Sauf que moi c'est même pas une conquête, je l'ai vu 3 fois, 4 fois dans ma vie à tout casser. Donc arrête un peu s'il te plaît, je suis pas ta conquête puisque je suis pas passée dans ton lit. Donc voilà, maintenant stop. Sache que c'était ma plus grosse honte, ma plus grosse erreur à 22 ans de m'être associée à toi. C'est chaud, un fan de Jules. Qui a plus de 30 ans, le payo, le sang, fraté, tout, donc tout bordel, enfin voilà, moi je suis quelqu'un de discrète, j'aime pas m'afficher, mais avec toi, voilà, c'est chaud. Si je suis sortie avec Senna, c'est parce qu'il était charismatique, pas comme toi. Apprends à t'exprimer différemment parce que t'as passé l'âge de t'exprimer comme ça en fait. Donc moi j'en ai honte, tu me fous la honte en fait.